Hey, bonjour à tous, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pas de voyance, mais une vidéo de débrief pour le match Espagne contre Russie qui vient d'avoir lieu. Et oui, la Russie s'est qualifiée et l'Espagne s'est fait éliminer. C'est juste un truc de ouf, personne s'y attendait. Toutes les analyses, tous ceux qui ont fait des vidéos, tout le monde a dit l'Espagne, l'Espagne, l'Espagne. Et c'est la Russie qui se qualifie, le Portugal qui se fait éliminer. Pardon, je voulais. Oui, la Russie qui se qualifie. Hein. Donc, ouais, l'Espagne qui se fait éliminer, le Portugal qui se fait éliminer, l'Argentine qui se fait éliminer. C'est une saison de dingue cette année. Je comprends rien. Toutes mes vidéos d'analyse, toutes mes vidéos de voyage, il n'y a plus rien qui passe. Donc, les amis, je crois que pour le moment, je sais pas en fait si je vais arrêter ou si je vais continuer pour le moment pour cette Coupe du Monde. C'est assez choquant. Je pense que je vais peut-être m'arrêter un ou deux jours et je vais revenir en force. J'espère que vous m'en voulez pas trop, en tout cas, d'avoir fait ces erreurs d'affilée. J'espère que vous continuerez à me soutenir quoi qu'il arrive. Ça me fait très plaisir pour ceux qui le feront. Et je suis vraiment désolé, je suis choqué je ne m'attendais absolument pas que je sais même pas comment c'est possible, quoi. La Russie qui se fait éliminer quand on sait que la France avait battu la Russie 3 à 1. Et que là, la Russie arrive à éliminer arrive à éliminer l'Espagne, quoi. Donc, est-ce que la France a ses chances de gagner cette saison? C'est juste énorme. Plus ça avance, plus je sens qu'on a les chances de remporter. Si on remporte contre l'Uruguay, on peut aller en finale. C'est juste une chose énorme, quoi. Et voilà. Merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent. Je suis vraiment désolé. Cette vidéo, c'est avant tout pour m'excuser. J'ai complètement foiré encore une fois. Je suis vraiment, vraiment désolé.